vue de développer les relations de coopération entre l'Algérie et la Grande-Bretagne dans différents domaines industriels, une commission mixte algéro-britannique de haut niveau sera mise en place prochainement, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Cette commission bilatérale se tiendra à l'occasion de la tenue à Londres en automne prochain d'une conférence sur l'investissement, a indiqué Madame Altman Floria Wolf, maire de Londres, lors d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouerb. L'objectif est de discuter de partenariats entre l'Algérie et la Grande-Bretagne et d'asseoir une coopération dans différents domaines industriels au regard des potentiels qu'offre l'Algérie. Lors de cette rencontre, Alderman Fiona a souligné qu'il était toujours intéressant de se rendre en Algérie et que les Britanniques ont pour objectif de saisir toutes les opportunités que présente ce marché émergent dans plusieurs domaines, notamment l'industrie. De son côté, M. Abdeslam Bouchouerb a exprimé sa disponibilité à soutenir les efforts qui tentent à approfondir et à intensifier les partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays. Selon le président de l'Union nationale des opérateurs de pharmacie, Abdelwahal Kata, l'industrie pharmaceutique algérienne a réussi en 10 ans à multiplier près de 10% sa production et l'a atteint 40% de couverture des besoins des marchés nationaux. La production nationale pharmaceutique est une industrie naissante qui nécessite l'accompagnement et l'encouragement de l'État en vue de son développement. Il a précisé qu'il existe actuellement des investissements importants dans le domaine, un nombre d'unités de production opérationnelle estimé à 70 et 117 projets en cours de réalisation est une intention d'investissement officielle récente. Le président de l'UNOP a cité à ce propos l'absence de formation au métier de l'industrie pharmaceutique dans les opérateurs sur la chaîne, la formation en assurance de qualité ainsi que les inspecteurs de la qualité qui révèlent du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. Tout cela reste à faire d'autant que l'Algérie a ambitionné d'avoir une industrie de biologie mais ne dispose pas de cadre juridique dans son domaine. J'ai cité la formation mais il y a également d'autres ingrédients importants comme le niveau de la mise réglementaire et la mission d'un nouveau cahier des charges pour l'industrie pharmaceutique. Le président de l'Association des producteurs algériens de boissons, Ali Hamani, a estimé lors d'une conférence de presse que la filière des boissons en Algérie, en dépit de son potentiel prometteur de croissance, fait face aujourd'hui à plusieurs obstacles, notamment l'informel et la concurrence déloyale. Pour faire face à cette situation, l'APAB estime que la promotion de la qualité est l'unique moyen de relancer cette filière et d'assainir le marché à travers plusieurs actions dans le code de bonne conduite professionnelle, un guichet de définir les responsabilités sociales des différents intervenants et les règles éthiques professionnelles applicables au sein des entreprises adhérentes qui a été élaborée récemment par cette association. La PAB compte une cinquantaine de producteurs de boissons qui représentent près de 85% des parts de marché algériens, évaluées à quelque 3,5 milliards de litres en 2011. Selon les estimations de l'association, les chiffres d'affaires réalisés par cette filière connaissent une croissance annuelle de 8%.